Yo tout le monde, c'est Demo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity. Donc c'est une première. Pour cette première vidéo, c'est un petit tuto. Comment avoir beaucoup de points credo, comme vous voyez. J'ai 161 000 points credo. Donc pour cela, pour faire cette technique, il faudra avoir cette compétence. Regardez, personnalisation du personnage, compétence, corps à corps je crois. Et il vous faudra frappe étourdissante, qui coûte je crois 2 points de compétence, donc elle est très peu chère. Et vous voyez, faut terminer la séquence 2, donc pratiquement tout le monde peut le faire. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, vous cherchez comment faire, et ben voilà comment il faut faire. Donc alors maintenant je vous montre qu'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, vous avez un club, vous avez en tout cas c'est mieux d'avoir un club. Si vous n'avez pas de club, vous ferez pas cette panique là. Par exemple, vous voyez là, en dessous de voir classement, il a un boost au bon credo sur les missions suivantes. Sa place est dans un musée. Ce qui nous intéresse, c'est les raids contre les Jacobins. Donc il faudra lancer cette mission. Si vous avez un club, ce sera peut-être une autre mission, par exemple la marche des femmes, tout ça. Mais voilà, donc il faudra lancer cette mission. Bah d'ailleurs je la lance, donc raid contre les Jacobins, allez où. Après là comment je vais faire, c'est ma manière. Après pour ceux qui n'ont pas de club, vous allez directement à l'endroit que je vais montrer dans la mission. Parce que en fait il y aura un boost énorme pendant cette mission si vous avez un club. Et surtout si tous les objectifs de club sont accomplis, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Et aussi, j'ai obligé de préciser, dans les points credo, ça vous montrera aussi votre rang d'assassin. Si vous, comme vous voyez, je suis assassin, vous avez vu avant. Ce qui est quand même pas mal, on va dire. Bon, après, le meilleur grade, c'est légende. Donc, pendant le temps de chargement, bah là, ça va être la cinématique de lancement et tout ça, qu'on va passer, bien sûr. Donc. Allez. Parce que je n'ai que 15 minutes. Alors, vous passez la cinématique. Et voilà, donc. Je vais être assez rapide. Vous allez sur la carte. Vous voyez, il y a une zone là. Vous montez d'une zone, encore une zone. Après, une fois à droite. Et vous mettez un point juste ici. À l'église de Notre-Dame. Après, bah, vous vous dirigez dessus quand vous avez lancé une mission. Ça peut être n'importe laquelle, mais si c'est raid contre les Jacobins. C'est comme ça, donc nous nous dirigeons par là. Et au passage, je fais juste une vidéo Unity, c'est comme un peu comme Destiny où j'en ai fait qu'une. Mais si vous en voulez des vidéos Unity, j'en ferai. Mais en tout cas, comme c'est le jeu que je joue un peu en ce moment, on va dire que oh non, je me suis fait repérer. Oh, c'est pas grave, on va recourir les amis. Hein. Hop. Et si un conseil, utilisez des fumigènes, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Donc vous voyez là un boost 2x6, enfin 2,6, ce qui est quand même énorme, c'est plus que le double, c'est presque le triple, ce qui est énorme. Donc je vous montre le spot et j'arrêterai cette vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas de club, vous allez directement à ce spot là en exploration. Mais là c'est comme si c'était en exploration, sauf que vous avez lancé la mission mais que vous n'avez pas continué, c'est tout. Par contre, pour la mission, c'est la marche des femmes, où vous devez protéger. Vous allez jusqu'à un endroit où elles sont protégées. Et à un moment, vous devez tuer 3 personnes dans des tours. Je pense que c'est ça, mais c'est à peu près la même chose. Vous coincez un ennemi dans un coin. Un coin n'importe lequel. Et voilà. Parce que franchement, dans la marche des femmes, c'est vraiment trop loin du spot que je vous montre. Mais en exploration, vous pouvez vous téléporter à Notre-Dame et vous y allez. Donc bref, nous y arrivons bientôt. Donc au passage, je suis 5 étoiles il n'y a pas très longtemps. Donc désolé pour la personne qui a rejoint la partie. Enfin, qui a rejoint une partie, donc. Allez. Et vous me direz si des vidéos comme ça peuvent vous aider, des bons tutos. Par exemple, si vous voulez que je vous fasse un tuto pour l'argent, parce que regardez, j'ai 1 600 000. Il n'y a pas de problème. En plus, c'est un moyen de faire de l'argent en solo. Enfin, en... Comment dire, quand on ne joue pas devant la console. Donc, quand on est AFK. Donc, là, nous arrivons à l'endroit cherché. Si vous voyez, vous avez 4...
surveilleurs, on va dire, enfin ceux qui surveillent, et bah vous en tuez. Vous en tuez 3 et vous amenez le dernier à l'intérieur, comme j'ai fait. Vous venez près du mur. Du mur qui est juste ici, hein, je peux pas trop le décrire. Mettez une petite fumée. Vous venez derrière lui. Vous le poussez jusqu'à vous arriviez au mur. Et voilà. Bon, attendez, je galère. Je vais le coincer là. Bon, attendez, on va le faire tomber. Voilà. Donc vous faites ça à chaque fois. Vous farmez ça pendant peut-être une 20 bonnes minutes. Et vous aurez beaucoup de points credo, vous voyez en bas à droite, ce qui est... c'est vraiment beaucoup de points credo. C'est énorme. Donc, bah, si vous voulez, on farme jusqu'à 165 000. Donc voilà. Et merci pour les 88 abonnés. Voilà. Je vous remercie. Donc voilà, hop. Après les 165 000, je vais le tuer, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le tuer au bout de si peu de temps. Vous pouvez le garder vraiment longtemps. Donc, et si je précise, pour faire cette chose, enfin le pousser, faut maintenir croix. Maintenir croix ou alors A pour... je crois que c'est A. Vous voyez les trois lettres, les quatre lettres, c'est celle vers le bas. Donc voilà. En tout cas, là, je vais le tuer. On a atteint les 165 000. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like pour que j'en refasse et à marquer en commentaire pour que j'en refasse. En tout cas, moi, je vous laisse. Je vous dis ciao à une prochaine vidéo. Ciao.